C'est fini. Je sais pas si on voit bien ce que ça donne. La structure pour les haricots à rame. On a vu, ça va être les violets ici. Je pensais mettre des petits pois, mais à la fin des petits pois, ça va faire mi-juin, fin juin. Après, on va enchaîner des haricots à rame en juillet, c'est pas terrible. Donc je pense que je vais attendre, ça va rester comme ça. Et bah, je vais attendre dès qu'il fait beau, et je vais faire tout de suite quoi, haricots à rame, c'est un peu long quand même. Avant que ça produise bien, que ça va produire toute la saison. Donc voilà, petite structure, qu'on verra mieux quand, il y aura de la lumière. Parce que là il caille, la journée elle est presque finie. Voilà, voilà, allez, salut! Bon allez, on s'attaque aux betteraves rouges parce que, à mine de rien, dans 2 semaines, je mets les petits pois. On a ressorti nos grillages. Donc voilà, les grillages de l'an dernier. Bon, on va remettre les mêmes, on va refaire 3 lignes. Bon, j'avais dit que c'était trop 3 lignes, j'allais faire 2. Mais en fait, non, je reste à 3. J'en aurai moins à l'intérieur, mais c'est pas grave, j'aurai quand même quelque chose. Ça m'embête de laisser tout ça, de pas semer. 3 lignes, c'est déjà bien. Enfin bref, il reste tout ça à enlever. On est parti chercher le silo et on va mettre de la terre, du sable dans un silo et puis stocker tous les betteraves. On va manger un peu pour ce soir, mais on a déjà mangé hier et avant-hier, donc on va faire une petite pause et puis on va en stocker et puis on va recuire. Sur le feu là-bas, il tourne, on fait un petit feu de corne, donc à mon avis ça va être cuisson de betteraves rouges. Allez, go, go, go. Bon voilà, c'est fini, il y a un sort d'herbage. En fait il n'y a pas d'herbe, il n'y avait rien du tout. Ah là il y a un petit peu de gazon, là, il y a un petit peu de gazon, là, on dirait qu'il y a une bourrache, mais sinon c'est assez propre. Voilà, plus qu'à mettre un coup de fourche, 4 dents ou grelinette. Je vais ressortir ma grelinette, tiens, parce que là j'ai des belles planches partout maintenant de 80 cm, donc ça peut le faire, mais les dents sont pas assez profondes, ça c'est dommage. C'est une fait maison, c'est j'ai donné les plans aux copains, mais j'aurais dû faire mon plan un peu mieux que ça. Enfin, ma dent plus grande, mais je savais pas. Bref, récolte. Bon, ça, c'est les feuilles et les toutes petites boules. Bon, ça, ça part au cochon, hein. Il adore ça. Tu vois, genre ça, il y en avait 2-3 pourrites là, comme ça, elle était un peu attaquée celle-là. Pas très beau. Ouais, il y avait des petits micro-trucs, j'avais démarré, mais bon, il en restait un petit peu. Bon, il y en a quelques petites là-dedans, là, il y en a une. Enfin, tu vois, voilà, c'est ça. Des micro-boulettes comme ça, ça part au cochon. Ça se transformera en viande, donc c'est parfait. Ça, on a coupé un tout petit peu la pointe de la queue. On a laissé un peu de verdure pour pas que ça pourrit. On va laisser un, tu vois, genre une coupe comme ça, c'est pas terrible. Donc ça, elle était pourrite.
Moi j'ai coupé, en fait je vais enlever ce qui est pourri et ça va se manger quand même. Bah, c'est pas ça, ouais, non, ça je voulais dire, si tu coupes à ras et que tu mets dans le sable ou de la terre, c'est pas terrible, je pense. Donc ça, tout ce panier là, on va le chauffer tout de suite, on sera du consommable rapide. Soit en râpé, il y aura de la lacto, du râpé et du cuit tout de suite sur la cheminée, quoi. On va faire ça ce soir. Et ça, du coup, c'est pour la terre et le sable. Donc la queue un peu coupée, on a laissé un peu de cheveux. Ouais, elle est belle. Alors c'était betterave plate d'Égypte. C'était écrit ça sur le montrier. Bon là, ok, c'est peut-être un peu plat. Là, après, c'est tout des boules. Donc plate d'Égypte, pas très plate. Ah si, ça, c'est peut-être plate. Enfin bref, j'avais pris ça pour essayer. Je suis pas super super convaincu. Après, il y a des beaux spécimens, hein, mais pas enfin, si ça a marché, c'était bien. Mais je trouve que j'avais plus de résultats avant avec les normaux, quoi. Améliorer 3, améliorer 7, là. Même si améliorer 7 là-bas sont plus belles que améliorer 3. Enfin voilà. La planche, elle est prête. Ah, petit coup de grelinette, petit coup de fourche, puis badaboum. Le sol est nickel, il est préparé, il est tout souple et tout grumeleux, et c'était plein plein de vers de terre. Bon, j'ai cassé la tête un peu à quelques-uns, mais tant pis, il y en a plein là. Il y en a plein partout, là, là-bas. Ah, bref, des vers de terre, quoi. Et puis je vais laisser comme ça au gel, ils vont aller en profondeur de toute façon. S'il y a quelques œufs, quelques conneries, ils vont crever. Et puis. Allez, replonge-toi. Je sais pas si on le voit. Enfin bref, c'est plein de vers de terre. Ben voilà, c'est prêt. Mettre un peu de cendre de ma cheminée. Passer un petit coup de fourche. Et puis voilà. Installer les grillages. Je sais pas si je fais avant ou après. Je vais les faire avant. Parce que l'année dernière, on a fait nos petits pois. Ils sont montés. Après, on a mis le grillage. Et du coup, on a cassé quelques têtes. Donc c'était con. Du coup, j'avais dit prochain coup, je fais le semis, je mets tous les grillages. Donc, est-ce que je le mets après le semis, tout de suite, ou je le mets tout de suite? Réponse dans quelques jours. Bon, mon petit bâtiment poussin et élevage, caneton. Bon, là, la porte, c'est de la merde. Voilà, c'était comme ça. On met ça sur le crochet, c'était fermé, et puis ça dépannait bien, hein, ça marchait bien. Hein. Fonctionnel, mais par contre, je sais pas ce qui s'est passé. Bah à force ouvrir, fermer, voilà, c'est de la merde. Ça se casse, là t'as un gros trou, donc tout le monde se barre. Là c'est pas terrible ce gros espace. Là. Bon, c'était fonctionnel, mais ça va pas. Donc bon, on va dégager ça, j'ai un petit peu de temps là. Donc le mètre, le crayon, on va mesurer. Je vais scalper cette merde. Par contre, j'avais accroché ça avec un double coffrage, je sais pas quoi là. Je vais devoir me mettre à l'intérieur, je pense, enlever quelques vis. Ah, c'était bien fait, c'était enterré et tout. Non, bah, je crois que je vais juste couper disqueuse. Ah, bref, il y a du bricolage à faire. Eux, c'est pareil, c'est pas génial. Bon, là, il y a un coq, parce que normalement, il va passer à la casserole. Mais c'est pas génial, hein, tu vois, c'est juste des vis et puis je mets entre les vis. Mais c'est en attendant, j'ai pas de planche. Où j'aimerais bien faire un cadre avec une porte et tout, mais faut acheter des verres, hein, des gonds, des trucs, des machins.
Là j'ai rien acheté quoi. Les bis sont déjà donnés et ça c'est de la récupération donc j'aime bien le gratuit mais j'aime bien l'efficace quand même quoi. Enfin bref, tant que j'ai pas de truc gratuit ou j'ai pas meilleur, je laisse ça. Bon là par contre faut que je trouve soit une planche, soit je refais un grillage plus dur. Mais en tout cas je vais le faire dans une porte quand même. Allez, je vais me faire un petit cadre en bois. Je vais voir si j'ai pas des gonds, des trucs dans mon bordel. Ce serait cool quand même d'avoir une petite porte. Enfin bref, allez, blabla blabla. Boulot. Bon allez, c'est tout propre, c'est bon, c'est coupé. J'ai mesuré 70, 90 je crois. Ça va partir à la ferraille, c'est de la merde, il n'y a plus rien à faire avec ça. Puis bah allez, go, on va chercher des planches. Bon bordel de bois. Bon, c'est le bordel, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. C'est tout des planches que je récupère, des palettes, des trucs que je mets de côté. Ça c'est pas mal, ouais, ça c'est grand. Ça c'est pas mal. Ouais, ça c'est épais, c'est pas mal. Par contre, comme d'habitude, il n'y en a plus qu'une. Allez, vas-y. Trop fin, trop fin, trop large. Trop. Ah, oh, c'est bien, ça c'est trop grand. Ça c'est bien. Bon, elle est pas belle celle-là, elle est belle. Ouais. C'est pas la même, c'est con. C'est pas la même, c'est la même épaisseur. C'est pas la même qualité. Oh là là, c'est chiant. Ça c'est trop gros. Bon, je vais trouver mon bonheur là-dedans. Dans tout ce carnage de bois, de palettes, de trucs bidules. Bon, allez au boulot.